Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ETS2. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en solo et on va faire la petite découverte du DLC France. Alors, je m'explique, la découverte du DLC France se fera en multi. Voilà, puisque le multi a été mis à jour, etc. Donc, je vais tourner des petites vidéos. Donc, vous, abonnés, écoutez, si vous avez le DLC France et que vous avez un bon micro et que vous souhaitez tourner avec moi en multi, comme ça, ça permettra de rouler et de discuter un petit peu, eh bien, il n'y a pas de souci puisque je compte faire la découverte de ce DLC. Vive la France en multijoueur. Sauf que là, voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo solo en attendant le multijoueur, histoire qu'on fasse un peu le point sur toutes les nouveautés qu'a ce DLC. Ensuite, ce sera plus découverte des paysages, etc. Donc, tout d'abord, comme vous pouvez voir, on est avec un Renault Magnum. Et avec ce DLC Vive la France, on a ce petit skin, voilà, qui est plutôt sympathique. Écoutez, où on peut voir la Tour Eiffel d'ailleurs derrière le camion. Ici, on a une espèce d'éventail, voilà. On a une espèce d'éventail aux couleurs de la France. Alors je sais pas si c'est une grande roue, un éventail. Je sais pas trop comment on pourrait voir ça. En tout cas, on a un pied qui arrive. Une petite chaussure à talons. Voilà, qui sort de cet éventail. Aux couleurs de la France, c'est très joli. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes dans la centrale nucléaire de Golfech. Voilà, donc à côté de Toulouse. Donc voilà. On peut voir déjà qu'il y a du taf qui a été fait. Écoutez, puisque comme je vous dis, hop, on va juste vous faire une petite démonstration. On est dans une centrale nucléaire. Voilà, en plus il y a même la fumée qui sort. Enfin, ça c'est de l'air sous forme de vapeur. Enfin, de l'eau, sous forme de vapeur. Vous inquiétez pas, c'est pas des produits toxiques. Je vais pas vous expliquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire, mais bon, voilà. Et donc, regardez un petit peu le bazar. Ça a été quand même super bien fait. Et donc, on est au cœur de cette centrale nucléaire. Et aujourd'hui, nous allons aller jusqu'à Bordeaux par l'autoroute. Normalement, voilà, par l'autoroute A62, puis A63, puis... Enfin, A630, puis c'est tout. On sera à Bordeaux. Voilà. Donc, un petit trajet. On prendra certainement une livraison à Bordeaux. Donc, qu'est-ce qu'on transporte, par contre? Il faudrait que je regarde ça. On transporte des chariots élévateurs. Voilà, bah en même temps c'était logique, hein. Regardez ce qu'on a, ça peut pas être autre chose que des chariots élévateurs. Et donc du coup, let's go, voilà. Donc je vais vous faire un petit peu dans cette vidéo le résumé de ce qu'apporte cette, ce DLC. Oh non, tu vas pas vouloir faire ta coupure, toi, tu vas pas faire ton chien. Ah, oh, pas possible ça. Bon bah, on fera un petit dodo du coup. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Donc du coup, écoutez, va bien y avoir deux choses distinctes. Ce qui se passe, c'est qu'on a des ajouts et dans la mise à jour 1.26 et dans le DLC Vive la France. Il faut pas confondre les deux. D'ailleurs, vous montrez aussi le petit drapeau. Voilà, qui flotte ici, très joli. Du coup, on est en Renault Magnum, comme vous l'avez vu, mais bon, c'était pour être dans l'esprit français, etc. Et donc, voilà, je vous disais que en gros, il y a la mise à jour 1.26 qui, elle, est gratuite. Et il y a, merci Gilbert, le DLC Vive la France. Alors qu'apporte la mise à jour 1.26? La mise à jour 1.26, donc, elle refait, en gros, elle modifie les portions de route déjà existantes dans le ETS2 de base. Ça veut dire que ça a été modifié, il y a des nouveaux péages, etc. Des nouvelles portions de route, c'est mieux fait, c'est tout beau, c'est parfait. Voilà. Le DLC Vive la France, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et bien, tout simplement, il ajoute quasi la totalité du réseau autoroutier français. En tout cas, on a toute la France qui est modélisée. On a, donc, selon SS Software, 20 000 km de nouvelles routes et de nouvelles autoroutes. Regardez, là, on est dans une petite route de campagne en direction de Bordeaux, de l'autoroute. Plutôt sympathique. On a, qu'est-ce qu'on a? On a des lieux célèbres aussi, donc, comme la Tour Eiffel, le viaduc de Millau qui ont été modélisés. On a 15 nouvelles villes. Voilà, alors quand on parle de ville, je vous montre ça sur la carte. Quand on parle de ville, c'est pas Golfech, voilà. Ce sont les grosses villes, donc Brest, Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Limoges, Le Havre, Le Mans, Clermont, Montpellier, Marseille, Nice, etc. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais. On parle bien des grosses villes, hein. On parle bien des grosses villes, ouais, c'est ça. Après, il y a aussi ces espèces de petits, c'est pas vraiment des villages, mais c'est des villes qui sont plus petites que des grandes villes, voilà. Et donc, dedans, on a quelques entreprises, etc., mais on n'a pas de garage. Là, on peut voir qu'on a la centrale nucléaire de Civaux aussi. J'aurais pu commencer là-bas, parce que c'est quand même une centrale nucléaire symbolique, quand même, de la France.
Mais bon, j'avais pas de garage à proximité, je vous avoue, donc c'était un peu compliqué. Oula, pardon pour le micro. Donc du coup, voilà, on a 15 nouvelles villes. Ensuite, comme je dis, on a des petites villes. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des villages français aussi qui sont modélisés dans la campagne. Voilà, on a 2-3 petits villages. Quand on prend des nationales, on passe par des petits villages français et tout, c'est sympa. On a de nombreuses forêts aussi qui bordent les routes de campagne. Voilà, voilà. On a des nouvelles entreprises, dont les 5 centrales nucléaires, donc Civo, la Golfèche. Il y a un truc Saint-Alban sur le Rhône ou je sais pas trop quoi. Il y a 2-3 centrales nucléaires. Enfin 5, non, pas 2-3. J'ai dit 5, hein, soyons précis. Le petit panneau, comme vous avez vu, de radar qui nous dit que c'est limité à 50. Et en effet, ils sont là, ces petits radars. Écoutez, 100% French. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Écoutez, on va prendre une petite photo. C'est vraiment magnifique tous les détails qu'ont été apportés. Écoutez, il est magnifique. Oh là, le radar. Regardez-le, la fourbe. Et en plus, on voit la centrale d'ici. Attendez, on va prendre une photo dans l'autre sens. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nouveau système de péage qui est français. Voilà, on a un système de péage français, donc avec du 30. Voilà, le péage à 30 que vous devez certainement connaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des nouvelles remorques. Voilà. Alors celle-là, il me semble que c'est pas une nouvelle remorque, celle-là par contre. Il me semble que ça y était déjà, les chariots élévateurs. Mais on a des nouvelles remorques, du coup, donc vu qu'on a de nouvelles entreprises, on a des nouvelles remorques. Et du coup, voilà. Voilà un petit peu ce qu'ajoute le DLC. Bon, après, voilà, bien sûr, il y a des radars, il y a des panneaux français, mais ça, c'est entre guillemets annexe. Et voilà. On a aussi du nouveau trafic AIS, j'ai oublié de le dire, on a des Peugeot 3008, des Renault Clio, etc. Bon, ils ont pas eu les licences de mémoire, donc il n'y a pas marqué, enfin il n'y a pas la marque Peugeot, mais c'est déjà ça, on les reconnaît très bien les véhicules. Hein. Donc c'est super bien fait, là on peut voir le car qui lui est là depuis des décennies. Par contre, le mec il fait que de bailler, donc c'est pas cool, je pense qu'on s'arrêtera sur la prochaine station service, écoutez. Voilà un petit peu le programme. Alors là, on va à droite. Hop, direction l'autoroute A62, direction Bordeaux, s'il te plaît. Nickel. Petit coucher de soleil, écoutez. C'est vraiment super joli. Donc là, on a un petit péage. Alors là, vu que c'est un petit péage de mémoire, il n'y a pas de 30. On va bien voir, mais non, il me semble pas. Non, il me semble pas. Il n'y a pas de. Ah, quoi que celui-là, il est peut-être 30, celui-là. Ah, si, celui-là, il est 30. Et c'est bizarre parce qu'il n'est pas marqué 30 pourtant. Ouais, c'est bizarre tout ça. Ah si, non mais d'accord, c'est parce qu'on a le télé... Ah non, d'accord, j'ai compris. Là, c'est parce que on est sur un truc télépéage et le télépéage marche maintenant. Donc on dit que tous les camions ont le télépéage, mais lui, c'est pas un 30, donc faut s'arrêter, etc. Ok, compris. Bon allez, let's go. Par contre, c'est bizarre qu'ils aient fait la voie de télépéage à droite. Dans les grands péages, on a des voies de télépéage à gauche et à droite. Droite pour les camions généralement, mais les voitures pas aussi, elle est et à gauche pour là uniquement les voitures. Et sur les petits péages, généralement ils sont tout le temps sur la gauche. Étrange. Bon, après, ça se trouve, il y a peut-être des exceptions, mais en général, de mémoire, c'est comme ça. Allez, go, autoroute à 62. Écoutez, oh là là, ce coucher de soleil, hey, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est juste magique, quoi. Le coucher de soleil, quoi. Allez, prochaine aire, c'est la porte de je sais pas quoi. On peut le temps voir, par contre, on est à 95 km/h, donc on va se calmer, hein, voilà. On va se calmer. Alors, c'est quoi comme aire, ici? C'est l'aire d'Agen, porte d'Aquitaine. Ok, très bien. Très bien, bah, arrêtons-nous ici pour faire notre petite coupure, petite station BP, je pense. Ah non, c'est Eco, ouais, mais il n'y a pas les vraies licences, là aussi. Alors, le parking, il est là-haut. Parfait. Déjà, on peut voir que les stations-service sont modifiées. Hein. C'est pas les mêmes qu'on a de base. Ouais, je sais que je suis fatigué. Je vais aller me poser. Et puis, on fera un petit dodo. Là, il est quelle heure? Il est 19h, donc on devrait reprendre vers 3h du mat, un truc dans le genre. Et puis, on arrivera en début de matinée sur Bordeaux. Hop. Ah bah là, regardez, il y a des nouvelles entreprises. Non, WGCC, c'était déjà, mais ça, par contre, c'est nouveau, ça. Voitureux, il y a marqué ça, voitureux, ouais. Ok. Hop. On va essayer de se mettre bien si possible. Ah, regardez, là on a un collègue avec cette petite remorque FCP. Bon, allez, petite coupure, on se retrouve.
dans quelques instants. Parfait, il est 5h du matin. Écoutez, finalement, il n'y a pas trop d'heures de matin. Il est 5h du matin. Hop, on va faire chauffer un peu le Renault. Et on va y aller. Écoutez, donc, toujours direction Bordeaux. On arrive dans 3h, donc 8h48 à peu près. Et donc, let's go. Let's go, let's go. Écoutez, on est parti. Hop, attention, petite priorité à droite ici. Et ça, c'est surtout quand même. C'est vachement fun quoi, d'avoir les panneaux français, etc. C'est vraiment super cool. Regardez ce panneau, mettons, qui est tout le temps sorti d'air, qui est tout le temps, pardon, présent en sortie d'air, et qui nous annonce que donc sur l'autoroute partant sec c'est 130, partant de plus c'est 110, et en dessous la petite inscription contrôle radar fréquence, c'est vraiment vraiment top ici ce qu'ils nous ont fait. Alors maintenant on devrait pouvoir voir les nouveaux véhicules AI. Écoutez, bon là ils passent un peu vite donc on n'arrive pas bien à distinguer ce que c'est. Par contre on n'a pas mis de petit gyrophare, tiens. On n'a pas mis le petit gyrophare, je vais zapper. Tiens, regardez, ça c'est une Renault Clio, largement reconnaissable. Bon, du coup, on est limité à 70, on va se mettre à 80. On a une nouvelle entreprise ici. Voilà. On va se mettre à 80, sinon on n'est pas rendu. Qu'est-ce qu'on a là comme voiture qui nous double? Ça, ça y était déjà de mémoire. R de baser sur je sais pas quoi. Prochaine air. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une Ford Mondeo de mémoire. Mondeo, je sais pas, je m'y connais pas trop en Ford. Mais c'est sûr que c'est une Ford. Ou alors une EcoSport. Attends, non. R de buser sur Baïs, très bien. Très bien, très bien. Ouais, en tout cas, vous pouvez voir que les airs, elles sont quand même bien modifiées. Quoi, là, c'est une aire seulement de repos, quoi. S'il n'y a pas de station-service. C'est quand même vachement bien fait, tout ça. Qu'est-ce qu'on avait devant? Là, on avait un Nissan Qashqai, mais lui, de mémoire, il y est déjà. Hop. En tout cas, il y a un peu de trafic, même à 5h du mat, c'est sympa. Ça nous permet de voir les nouveaux véhicules. Là, c'est une nouvelle entreprise, l'armoire qu'on a vue à gauche. Ah, ça, c'est une Peugeot 208, comme vous pouvez voir. C'est vraiment super bien fait, quoi, ce qu'ils nous ont fait. Là, c'est quoi? Là, on a une Renault Clio, mais de mémoire, elle y était déjà. Ça, c'est la version longue de la Clio. Qu'est-ce qu'on a, là? Là, on a encore une 208. En tout cas, on a... je sais pas, on a peut-être une dizaine de nouveaux véhicules AI de mémoire au niveau des voitures. Il me semble pas qu'on ait de nouveaux cars ou de nouveaux bus. Allez, c'est bon, on arrive à une section à péage et donc là normalement on devrait avoir un péage 30. Alors soit que à gauche, soit à droite et à gauche, on va voir. En tout cas à mon avis il y a l'air d'un... Ah non, ceux-là ils sont pas 30. Mais si, ils sont 30 ceux de gauche. Vous savez quoi, on va aller au 30 même si on n'a pas le droit de base. Oh là là, regardez-moi ça, c'est tellement stylé ce qu'ils nous ont fait. La petite section 30, le petit panneau 30 télépéage. Comme en France, on roule à 26, c'est parfait, on passe direct. Alors ça c'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire dans la vraie vie. Hein. Nous les poids lourds c'est tout le temps sur la droite, sauf que là, bon, il fallait bien qu'on teste le péage 30 quand même. Hein. Ne soyons pas fous, hein. Voilà, faut bien faire les choses. Mais bon, prochaine fois j'irai sur... sur la droite, on va remettre notre petit régulateur de vitesse, c'est nickel. Alors, nous, Bordeaux, on est toujours tout droit. Ensuite, c'est pour aller vers la MVM carrière de Bordeaux. D'accord, très bien, il doit y avoir peut-être une entreprise de carrière sur la nationale. Maybe, maybe. Hop. Ah, là, on a une Renault Mégane devant. La nouvelle version, d'ailleurs, qui est assez... go. Ouais, et honnêtement, elle pourrait être comparable à une Dodge Charger. Moi, quand je la vois, ça me fait penser à une Dodge Charger. Parce que je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi, quoi. Elle a une belle allure, dirons-nous. Voilà, elle a une belle allure. Alors là, on va être obligé de tourner à droite. Sinon, c'est pas modélisé pour aller tout droit. Parfait, donc là, on va prendre la 630, si j'ai bien compris le délire. Le temps est vraiment super joli quoi. Mais bon, ça c'est pas nouveau, ça c'est depuis vraiment le Scandinavia, je vais arriver à parler, où vraiment les graphismes se sont améliorés, etc. Ça y était déjà avant, mais on peut tout du moins redire hein, que c'est magnifique, puisque ça l'est. Écoutez, je préfère trop le dire que pas assez.
Non, honnêtement, ils ont super bien taffé pour ce DLC. Vive la France. J'ai pas encore roulé dessus. Hein. J'ai pas encore roulé dessus. C'est la première fois que je roule vraiment dessus. Hein, là, je le découvre en même temps que vous. Après, on fera du multi pour le découvrir. Mais là, ouais, non, c'est la première fois que je roule vraiment dessus. Là, j'avais juste mis le camion à Gauchelf, ou je sais plus comment ça s'appelait, où on était. Golfèche, voilà. J'avais juste mis le camion là, sinon j'avais pas vraiment roulé dessus. Donc bon, ça fait plaisir de le découvrir en même temps que vous. On a une petite Peugeot, que je dise pas de bêtises. Bah, je dirais 508, mais je suis pas sûr du tout, du tout. Ah non, bah non, c'est une Citroën C5, mais à culpa. Mais à culpa, mais à culpa. Allez, on va pouvoir choisir de soit rejoindre Clermont-Ferrand, Limoges, par la nationale, ou continuer tout droit vers Bordeaux. Et c'est ce qu'on va faire du coup. Vu que nous on livre quelle entreprise à Ika Bohag. Alors ça, c'est une fois de plus une nouvelle entreprise qu'on découvrira, puisque je ne la connais pas. Mais en tout cas, elles sont quand même super bien faites, nos petites autoroutes. Alors peut-être un truc que je regrette, mais ça c'est du détail du détail. Écoutez, c'est que quand on roule sur la bande d'arrêt d'urgence, on n'est pas le petit, vous savez, le petit retour de force sur le volant qui nous disent comme quoi on roule dessus. Voilà, c'est peut-être un petit détail. Et encore, peut-être que je suis mauvaise langue et c'est peut-être moi qui a mon retour de force pas assez fort. Attendez, peut-être que je suis mauvaise langue. Mais de mémoire, on l'a pas. Attends, c'est trop bien dessus. Non, 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 il est pas. Non. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous le fait, mais en tout cas, moi, ça me le fait pas. Hop. Bordeaux centre, nous, ça va être là-haut. Merci collègue. Petite remorque Scania qui date du Scandinavia. Ça c'est une nouvelle remorque là, ce qu'on vient de voir passer, l'espèce de d'entreprise avec l'espèce d'arbre sur la remorque. Comme vous pouvez voir, le petit cadeau qui se trimballe en haut. Parce que bon oui, on approche de Noël, j'ai mis aussi un petit Papa Noël au bout. Écoutez. Et donc j'ai hâte qu'il y ait aussi le winter mode sur le multi, ça peut être vachement cool. D'avoir ce petit winter mode des familles. Par contre, il faudra faire gaffe parce que ça glisse. Alors déjà que le multi dans certaines zones, c'est le bordel. Alors avec la neige, je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Allez, grimpe coco. Alors, hop, zone portuaire. Tiens, il y a une zone portuaire à Bordeaux sympa. Je sais pas du tout où on va nous. Si on va Bordeaux centre de mémoire, on va pas vers la zone portuaire. On va couper un peu nos feux. Est-ce qu'on peut rester comme ça? Ouais, parfait. Parfait, parfait. Alors au début, je pensais que la centrale nucléaire, ce serait un peu plus... ce serait un peu plus... comment vous dire, avec un peu de gravier, etc. Du coup, je m'étais mis des petits pare-buffs et tout là pour bien faire le... pour bien pousser le délire, mais en fait, non, c'est bien, c'est goudronné, c'est un beau site propre. Moi, je pensais que c'était un truc, une entreprise un peu à la Steinbrush, là. Vous savez, les entreprises de carrière, là, où ça monte, ça descend, etc. Mais en fait, non. En fait, non, c'était tout bien goudronné, donc bon. C'est pas grave, écoutez, c'est joli quand même, un petit pare-buffle. Et donc on devrait... Oui, oui, vous inquiétez pas. Le client, il le veut à partir de 8h jusqu'à 9h30. Ouais, on a pas trop de battements. Mais nous, on arrive à 8h17, donc on sera même en... Ouais, bah non, on sera à l'heure. Je pensais qu'on serait en avance, mais non, on sera à l'heure. Donc c'est parfait, entre 8h30 et 9h30 de mémoire. Non, entre 8h et 9h30, à peu près. Ne vous inquiétez pas, on sera à l'heure. Alors, nous on devrait prendre la prochaine sortie, je pense, pour arriver dans le centre de Bordeaux. Normalement, normalement. Alors, on a Bordeaux centre et Bordeaux nord. Et ben, je sais pas trop. Nous on va à Bordeaux centre, pas Bordeaux nord. Parfait. Alors il y a un pont qui est assez célèbre quand on rentre dans Bordeaux. Je vais juste regarder ma carte. Et je sais pas du tout où il est. Alors je sais pas s'il est modélisé. Mais de mémoire, il y a un pont qui est quand même plutôt célèbre. Enfin célèbre. Quand je vous dis célèbre, c'est que c'est quand même une chose assez importante quand on rentre dans Bordeaux. Je sais pas du tout s'il est modélisé. De mémoire, sur la promo, il l'est. C'est vite possible en fait. Allez, un petit coup de ralentisseur hydraulique, on peut pas faire de mal. Nickel. Hop.
Il a pas l'air d'être modélisé le pont, parce que là on devrait arriver directement dans Bordeaux. On verra bien. Hop, allez, Bordeaux centre. En tout cas, les panneaux nous sont vraiment super stylés. Hein. Les panneaux et tout sont super bien faits, c'est cool. Bon, après, je connais pas trop hein, Bordeaux, mais de mémoire, il y avait un pont. Bon, il n'y a pas l'air de l'être, mais après, c'est peut-être pas par là que le pont est, mais bon. Bref, le pont qui traverse la Gironde, de mémoire. Si je dis pas de grosses conneries, après, si vous êtes bordelais, n'hésitez pas à me corriger, parce que bon, je suis un peu à la rue, quoi. Petite 407 qui nous dépasse et qui arrive à vive allure, d'ailleurs, sur ce rond-point. Allez, nickel. Nickel. Oh, les petits panneaux de travaux et tout sur le sol qui indique la circulation alternée. Petite entreprise Bâtisse. Donc une nouvelle entreprise. Alors je sais pas trop ce qui. Oula, j'appuie sur le frein sans faire exprès. Là ça doit être ouais dans la construction. Hein. Ouais. Regardez les petits panneaux circulation alternée et tout. C'est vachement bien fait quand même. Dommage, on a un peu de soleil dans les panneaux, mais c'est quand même super bien fait quoi. L'entreprise est cool, on voit les gens et tout qui travaillent, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Allez. Hop. Nickel. Donc nous on cherche notre entreprise ICA, je sais pas quoi, ça doit être là d'ailleurs. Ça devrait être juste là. Ah bah d'accord, ah non c'est ICA, bah non mais bah c'est pas une nouvelle entreprise, mais à coup pas. Autant pour moi, c'est... Non ça vient de Scandinavia ça. En fait c'est du IKEA quoi. Du IKEA bien suédois. Ok. Moi c'est plus loin, j'ai l'impression. On va livrer nos petits chariots élévateurs à IKEA. Écoutez, voilà, ils avaient besoin de renouveler le stock, les leurs étaient trop anciens. Hop. Nickel, moi j'ai besoin de rien, t'inquiète. Je suis un pro, Robert. Je vais te la garer, ta remorque, t'inquiète. Alors. Où est-ce qu'on la gare, le bazar? Où est-ce que c'est? Attendez, j'ai pas tout compris, là. Mais c'est de l'autre côté du truc, attendez. Que j'ai pas compris, là. On la fout la remorque. Ah, on la fout là. Donc en fait, on vient là pour demander. Ah, ok, d'accord. Ok. D'accord. Bah, du coup, vive le demi-tour quoi. Attendez, on va tenter un truc. Je suis pas du tout sûr que ça marche. Non, mais laisse tomber, ça passera jamais là. Du coup, bah, c'est pas grave, on va aller au bout. C'est bon, je sais ce qu'on va faire, vous inquiétez pas. Hop. Et dis-moi que ça passe. Parfait. Ah, parfait que dalle en fait. Ah. Désolé, je pensais que j'étais trop fort, mais non, en fait, pas du tout. J'ai trop pris la confiance là. Je me suis dit, ça va passer tranquille. Regardez, on fait un petit truc comme ça. Qui c'est qui bloque là? Ah, c'était la. En train de défoncer les bâchers de IKEA, mais c'est pas grave. Surtout qu'on les défonce en plus pour faire un truc qui est pas super. Ouais, c'est pas top idée en fait. Regardez, ouais. Professionnel des manœuvres. Attends, c'est n'importe quoi ce que je fais. Bon, allez, hop, c'est bon, let's go. Let's go. Allez, salut Coco. Hop. Ah, ça allait raccrocher, parfait. Du coup, là, ok, on ressort. Bah, ça, j'avais jamais fait ça. Hop. J'ai grillé le. C'est le passage à la bagnole. C'est pas grave. Donc, là, c'est là qu'on livre, ok. Oh, avec les cailloux, regardez, c'est trop stylé. Pour délimiter les places. Ok, donc là, c'est là la partie plus. Déchargement, voilà. Là-bas, il y a les remorques qui sont prêtes, qui attendent les camions. Et là, c'est là où on livre. Ok. Hop.
Parfait. Alors, du coup, bon, là, ça va être tranquille pour se garer, je pense. Juste aller au bout. Hop. Allez. Let's go. Oh, c'est... Oh, oh, oh. Ah, c'était presque parfait, écoutez. Là, je me suis dit, waouh, j'arrive à la mettre et tout. Bon, c'est pas grave, ce sera pas du premier coup. Hop, nickel, on va se ramasser un peu. Et c'est parfait. Hop, voilà. Boum. La petite remorque est à destination, d'étalage des béquilles. La petite animation qui est juste là, la molette. Hop, enfin la molette, non, la manette plutôt. Hop, parfait. Alors, 25 minutes de vidéo, nous. Ok, bon, bah finalement, on reprendra pas de livraison. Poum, poum, poum. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y avait. Ok, d'accord. Donc, on a comme nouvelle entreprise Glober, Lisset Logistique. Cette espèce de truc, je sais pas ce que c'est. On a ICANN, mais ça, c'était déjà. MVM. Et puis, c'est un peu tout ce qu'on a au niveau de Bordeaux. Et on a Baptiste, ouais. Là, ouais, comme je vous dis, échafaudage, c'est bien du bâtiment. Alors, il y a juste un truc que j'ai pas bien compris. Non, je voulais pas faire ça. Ah non, d'accord, ok. C'est parce que récemment, il nous avait dit, je sais plus à quelle mise à jour, mais c'est peut-être la 1.26 qu'on pouvait changer la remorque en fait. Regardez, on va essayer d'aller là-haut. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire parce que j'ai jamais testé ça. Donc ça c'est pas avec le DLC Ville de France, hein, ça c'était avec une autre mise à jour. Mais là 1.25 en fait de mémoire, ça y est pas avec... ça y est depuis un bout de temps quand même. Cette histoire de changement de remorque. Il me semble que c'était là 1.25. On va aller voir ça, écoutez. Hop. On y a le trottoir. Alors. Hop. Alors Glober c'est où par contre que ce soit pas... super loin. Ah ouais, non, c'est au nord de Bordeaux. Bon, tant pis, écoutez, ça nous fera une petite balade. Hop, pour clore cette petite vidéo. On a failli rentrer dans le collègue. Attends, il fait quoi, lui, là? J'ai l'impression qu'il veut changer le klaxon des Renault. Ouais, non, en fait, non. C'est toujours aussi nul. Allez. Putain, le collègue, il est un peu mou du genou, hein. Ah ouais, en plus là on a la zone de travaux. Est-ce que le feu est vert? Bon, non, sinon ce serait trop drôle. On n'a pas une nouvelle remorque devant nous là? Non, je pensais. Devant le camion Volvo, je pensais qu'il y avait une nouvelle remorque, mais non. Hop, petite Honda Jazz, Honda Civic, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Là on a du Volvo XC90, de la Audi A2 de mémoire. C'est un modèle qui se fait plus là à 2. Et puis on a ça, on a une Renault. Pardon, on a une Passat au bout. Et puis c'est un peu tout, on a une Skoda encore tout au bout. Petite 407. Et puis petite Clio. Alors comme vous pouvez voir, ils ont pas eu les licences. Là on a une espèce de logo Renault bizarre. Et derrière nous, c'est pareil pour la. Ouais, il n'y a pas de marque pour la. Enfin, il n'y a pas de logo tout du moins pour la 208. Bon allez, par contre dites-moi qu'on passe là parce que voilà quoi, hein. Après la vidéo, merci le upload. Allez, parfait, c'est vert. Allez, oh là là, mais ils sont longs devant. Je sais que c'est 30 les gars, mais bon. Voilà quoi. C'est cool, il y a un peu de bouchon là, il est quelle heure là? Il est 8h35, c'est un peu heure de pointe. Regardez la petite 3000, non, je crois qu'il y a une 3008. Là on a une petite Volkswagen, ouais, ouais, avec les feux et tout, elle est grave stylée. C'est une Passat ça aussi. On n'a pas vu de 3008, très étonnamment. 3008 qui est quand même un véhicule qui a bien marché, hein, au niveau des petits SUV. Enfin des petits SUV, des SUV tout court. Allez les gars, sérieux, oh là là là. On est dans les bouchons là. Il y a du trafic, hein. Il y a du trafic en Gironde. Allez, je peux y aller, oui, non, allez, go. Parce que sinon, on s'en sort pas, le collègue il se casse, tant mieux. Ah, voilà, regardez, quand on parle du loup, petite 3008, écoutez,
très sympathique. Nous on va où? Paris-Nantes, Bordeaux-Nord. C'est Bordeaux-Nord, nous. Donc allons-y. J'ai juste essayé de pas la doubler par la droite. Qu'est-ce qu'on a là comme panneau? LED vache, santé blanc. Ok, la petite pub sympa. Sympa, sympa. Parfait, le camion s'est rabattu. La 3000 de pouvoir accélérer. Je vais pouvoir doubler le car. Nickel, on se fait à 90. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, on va juste voir à je sais plus trop quoi là, à Globe, il me semble de mémoire. Globeur, voilà, c'est ça la, l'entreprise. On va juste voir là-haut ce que. Ouais, à quoi sert en fait l'option là pour changer la remorque. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, on retourne dans Bordeaux, mais cette fois-ci on est dans le nord de la ville. Une petite Renault Capture, non? Ouais, c'est ça, petite Renault Capture. Là, je vous présente un peu tous les nouveaux véhicules. Hein. Là, comme je vous dis, le but de la vidéo, c'est vraiment de poser les bases sur ce qui a changé du DLC Ville de France. Voilà, c'est vraiment de poser les bases. Après, vous inquiétez pas, on s'arrêtera pas à chaque détail en multi. D'ailleurs, moi, je suis à 80 en ville, pas de soucis. Hop. Alors, Globeur. Où c'est Globeur? Prochaine à gauche. Hop. Les petites fleurs. Écoutez, on peut les voir là, sympathique. Voilà, c'est juste la Globeur. Alors, on va tester un petit peu cette fonctionnalité de la 1.25 que je n'ai jamais testée. Hop, et comme quoi, apparemment, en plus Globeur, je vous dis que des conneries, ça me semble pas être une nouvelle entreprise. Puisque de mémoire, il y en a déjà en... Alors, est-ce que je dis des grosses conneries? Est-ce qu'il y a dit des grosses conneries? Bah yes, c'est pas... Non, 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 en fait, je dis pas de grosses conneries. Non, Globeur, c'est bien nouveau. Ouais, c'est nouveau. Non, non, Globeur, c'est nouveau. Ouf. Sauvé. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a. Et cette option de changement de remorque. Ah oui, en effet, pour certaines offres, on peut customiser, attention, notre remorque. Remorque bâchée Savoyard. Remorque bâchée Schwarzmuller. Remorque bâchée... Ok, Savoyard, alors c'est marrant ça, Savoyard, je connais pas. Et ça, on nous propose quoi? On propose une Savoyard. Attendez, on va tester de prendre, regardez, la Savoyard. Pour voir un petit peu ce que ça change. Nourriture pour animaux. Hop, tu me prends la Savoyard, s'il te plaît. Attendez, on va voir ce que ça fait. Est-ce que ça change? Alors à mon avis, c'est surtout au niveau des feux arrière, etc. Que c'est tout débâché après, donc il n'y a pas grand chose qui doit changer. Hop, allez, on va tester la remorque. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière. D'accord, donc c'est ça qu'ils appellent Savoyard. Ok, soit, très bien. Et attendez, on va juste annuler la mission là. Comme je vous dis, on teste un peu, hein. On va annuler la mission et on va tenter de prendre une Schwarzmuller. Parce que ça, le DLC Schwarzmuller, c'est un truc qui était... ils avaient fait en gros des nouvelles remorques. Voilà, ils avaient fait des petits défis. Quoi, en gros, si vous avez plus de 50 heures de jeu, vous avez le DLC gratuit. En même temps, il est payant à 2€. C'est vraiment rien, mais c'est juste histoire d'avoir des nouvelles remorques. Et si je prends la Schwarzmuller en, entre guillemets, livrée Lobber... Mince, je vais pas sélectionner. Hop. 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 Qu'est-ce que ça me change? Hop. Hop. Donc ça c'est les nouvelles remorques donc du DLC Schwarzmuller. D'ailleurs on en avait utilisé des remorques Schwarzmuller de mémoire avec le Renault. Voilà. Là comme vous pouvez voir, ouais, c'est bien des nouvelles remorques donc du DLC. Petite immatriculation. Non, on va regarder celle de l'arrière puisque l'avant j'ai dressure dans le 55. Écoutez, bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur ce nouveau DLC Vive la France. J'espère qu'elle vous aura plu. La suite de la découverte du DLC en multi avec les abonnés avec vous. Donc si vous avez le DLC et que vous avez un bon micro et une voix plutôt fiable, n'hésitez pas à m'en parler sur Skype. Mon Skype c'est dressure, D-R-I-S-T-U-R comme mon pseudo. Je me ferai un plaisir de vous accueillir dans mes vidéos, écoutez, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!